Hello tout le monde, c'est Anna Coblin. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être des idées de parcours à la halle sur un parcours de saut. Donc il y aura une partie 2 qui sera pour le dressage. Donc on va commencer tout de suite par le premier parcours. Donc je précise que je suis en compagnie de Inam Driver. Donc elle a Discord normalement, mais ce qui s'est passé c'est que son jeu bug si elle a Discord. Donc malheureusement on va pas attendre sa voix, mais bon. Voilà, avec Emma, donc Ina, hein, si vous savez pas, mais c'est son vrai nom. Avec Emma, on avait tourné deux vidéos. Sauf que les deux, je sais pas ce que OBS a contre Emma, mais non, ça n'a pas marché. Donc allez, premier parcours, c'est parti. Attendez, je vais dire de me suivre là parce que. Voilà. On va attendre qu'elle vienne. Donc c'est parti pour le premier parcours. On va faire en fonction des lettres qui ont été mises, les lettres romaines qui ont été mises sur les, enfin, à côté des obstacles. Ça aurait été beaucoup plus pratique, ça aurait été des chiffres, hein. Mais bon. En sachant que SSO a oublié de mettre le VII, genre, donc 7. Là, il n'y a pas 2, 2. Il n'y a pas 2, 2. Voilà. Après, moi, je fais en fonction du parcours. Je ne sais pas vraiment ce que c'est ça, hein. De faire le parcours tel qu'a été indiqué avec nous. C'est un peu compliqué. Désolée si vous entendez des bruits de fond. Je me suis fait là incognito. Et donc, ça c'est le dernier obstacle. Leur parcours est un petit peu compliqué, on va dire. Et c'est parti pour faire le parcours que. Le deuxième parcours. Que j'ai inventé moi-même. Donc c'est parti. Encore fail, mais c'est pas trop grave. Oula. Donc là, voilà, après, c'est mon parcours. Hein. Je ne suis pas obligé de le faire. Donc voilà, c'est la fin du parcours. Donc bah, je sais pas trop quoi ajouter. Bah, il y aura deux parcours du coup. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!